Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite du tournoi incroyable, donc Lagdar contre Mirak, hein, deux joueurs extrêmement puissants et voilà, de valeureux guerriers, mais surtout sur le 1, et là ils se combattent cette fois-ci sur l'extension. Sur le Seigneur des Anneaux, la bataille pour la Terre du Milieu de l'avènement du Roi Sorcier, sur le patch 2.0 V8.1. Hein, avec un bug de Galadriel, avec son pouvoir de la tornade qui fait crash le jeu, mais ça on s'en fout. Donc nous avons Angmar, voilà, par Lagdar, hein, qui construit directement deux mines, hein, une mine extrêmement loin de sa forteresse. Et de l'autre côté, voilà, nous avons la forteresse de Mirak, hein, donc le Mordor, qui commence par faire un petit palais à Ardring. Donc surprenant, hein, surprenant quand même. Alors on va pas lancer de paris parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on doit casser plein de matchs. On lancera les paris quand il n'y aura pas de matchs qui auront déjà été faits, parce qu'évidemment les gens parfois savent déjà le résultat et ça va tricher. Je vous connais, hein, je vous connais par cœur le chat, hein. Vous êtes vraiment des salauds, hein. Je préfère vous insulter, voilà, vous êtes vraiment des salauds, hein, clairement. Donc du coup, l'histoire. L'histoire, qu'est-ce que je voulais raconter comme histoire déjà? Ah oui, donc en gros, Zoltan, voilà, un streamer, il a stream avant-hier, hier et aujourd'hui, il a fait la campagne du bien, il a fait il a fait la campagne du 1 et il a commencé la campagne du 2. Et en gros, il était sur la chaîne de stream, voilà, il y avait beaucoup de monde, donc c'était à peu près entre 800 et 1200 personnes qui regardaient son live. Il y avait énormément de gens, voilà, qui voulaient le lien du jeu. Donc à chaque fois, en gros, moi je partageais mon lien. Zoltan, il sait que voilà, mon site est assez clean, hein, voilà, donc à chaque fois, il était en mode bon, allez sur le super site de. Du poteau Elruyer, hein. On m'a même envoyé un clip en mode il a dit voilà, allez sur son site, bref. Donc ça c'était cool, hein. Il m'a fait énormément de pubs parce que en gros là sur les deux derniers jours, il y a eu plus de 2500 personnes qui sont allées sur mon site. Il y a eu genre 400 téléchargements pour la bataille pour la Terre du Milieu 1, à peu près pareil pour la bataille pour la Terre du Milieu 2, beaucoup moins pour l'extension, comme d'habitude, hein. Mais franchement, c'était assez insane, hein, tous les gens qui sont arrivés en 3 jours. En gros, les stats de mon site, elles ont fait, bon, elles sont à peu près comme ça, et là, elles ont fait un gros pic en là les 3 derniers jours. Donc ça, c'est cool, hein. Je sais pas si ça a ramené énormément de gens sur le Discord, mais en tout cas, j'ai vu que j'avais gagné pas mal d'abonnés. Voilà, les gens, quand ils cliquent sur le lien pour télécharger le jeu, ça leur met une petite pop-up pour en gros leur dire si vous voulez me faire plaisir, bah, abonnez-vous à ma chaîne, voilà, parce que moi je propose du contenu que à travers ce jeu. Donc en tout cas, enfin voilà, si ça leur plaît le jeu, normalement ça devrait leur plaire ce que je fais sur ma chaîne ou sur mes lives ou en général, quoi. Et en gros, c'était assez rigolo parce que il y avait un moment, ce matin, il y a un mec, il est arrivé sur le chat de Zoltan, il a fait « Les gars, surtout, ne téléchargez pas le jeu parce que, voilà, il y a un cheval de Troie. Il y a un cheval de Troie, donc moi, évidemment, voilà, un peu, je me suis pas énervé, mais je suis allé en privé avec lui et j'ai fait « Alors, en fait, il n'y a pas de cheval de Troie, hein, c'est juste ton antivirus qui te dit « Il y a un cheval de Troie pour te faire plaisir, toi. » Il me fait « Non, je te jure, il y a un cheval de Troie, je suis foutu. » Du coup, bon, je n'étais pas énervé, mais j'étais en mode « C'est pas grave, hein, de toute façon, un de moins qui télécharge pour le jeu, hein, moi, ça me fait m'en fiche un petit peu, toi. Je suis très, en fait, ce qui est très bizarre, c'est que, genre, je sais pas, il va y avoir, je sais pas, des centaines et des centaines de personnes qui vont me dire, ouais, c'est trop bien ce que t'as fait et tout, c'est génial. Par contre, s'il y a un connard, genre, il y a un connard qui va te dire, ah non, c'est vraiment de la merde ce que t'as fait, et bah, tu retiens seulement le truc du mec qui dit que c'est de la merde, toi. Alors que franchement, enfin, je sais pas combien de personnes on a aidé, il y avait énormément de gens, donc Elessa par exemple, je nomme, il y avait Darka, il y avait Totor aussi, hein, bon, qui s'est fait un peu flame à un moment, hein, MDR, hein, je sais pas trop comment Totor tu faisais ton compte, mais voilà, bref. Et les gens étaient en mode, oh, merci Elroir, c'est cool ce que tu fais. Alors aussi, Zoltan, il a parlé de BFM Reforged, et ça c'était cool, un perdu, 10 de retrouvé. Non mais en vrai, il y a eu pas mal de monde, hein. Il y a eu pas mal, énormément de monde, hein. J'étais agréablement surpris. Et ce qui est bien, c'est que du coup, tous les matins, Zoltan, là, il le stream en ce moment, parce que voilà, je sais pas pourquoi, il a la chaîne de stream, et tous les matins, en gros, il fait du BFME. Donc tous les matins, en gros, tous les matins, on peut se faire de la pub, en gros, on peut se faire connaître. Et ça, c'est cool, enfin, c'est très appréciable.
On va reprendre un peu la game, hein. Donc pour l'instant, hein, on va dire que Mirak, voilà, il met un petit peu de pression dans la base de Lagdar, hein. On parle, mais voilà, hein, parce que ça fait longtemps que je vous ai pas vu, du coup j'ai plein de choses à dire, hein. Et là ce n'est qu'une mini parenthèse de ce qui s'est passé lors de ces 5 derniers jours. Écoute pas les rageux, t'as une communauté et déjà assez bonne, pas besoin de gens comme ça. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord, hein. Moi je suis très content, hein, et je l'ai dit dans la vidéo, hein, je l'ai dit plein de fois là dans le bilan 2019 que par exemple il y a eu la chute du Discord et vous étiez là, voilà, on a recréé le Discord comme c'était avant. Il n'y a pas vraiment d'embrouille, il n'y a pas vraiment de gens rageux. Il y a seulement une guerre entre le BFM2 et l'extension. Mais voilà, trois fois rien, enfin c'est de la rigolade quoi à côté. Et c'était marrant parce que du coup sur le chat de Zoltan, il y avait par exemple The Eternal qui disait ouais, faut jouer à la 2.2 parce que voilà, c'est beaucoup plus compétitif. Mais les gens ils sont vraiment en mode je m'en bats les couilles, enfin ils sont en mode genre je joue au jeu, je fais trois archers et voilà quoi. Enfin, ils ont pas cette notion de compétition sur le jeu quoi. Bref, donc là nous avons de la bonne cavalerie, hein, du côté de Lagdar, hein. Lagdar voilà, c'est Langmar, hein, pour l'instant. On va dire que Lagdar est plutôt bien, hein. Mirak voilà, il fait des piquets, il fait des orques, il a commencé à faire des orques noirs, donc ça c'est très bien. Pour encore grossir, le Rose Zerator est en train de préparer sa Zedlan. Il a sûrement pas choisi tous ses jeux, tu devrais le contacter en MP pour lui proposer BFM2 et va savoir. Ouais, mais je pense qu'il va plus choisir Age of Empire, hein. Il a l'air d'être beaucoup plus chaud par Age of Empire. Mon ordi a attrapé le virus Zika, n'installez pas le tuto. Salut, comment allez-vous? J'ai loupé quoi? Bah écoute Coupix, hein, c'est le début, hein, c'est le début du live, hein, donc nous sommes en train de caster, enfin d'observer la game donc, qui a été jouée déjà au préalable, donc Lagdar contre Mirak. Mais là Mirak, voilà, il vient de reprendre l'avantage, il a utilisé le champ de guerre voilà, pour booster les troupes. Et là, et voilà, il repart en contre-attaque, hein, je crois. Hein. Alors on fait pas d'antre, hein, on fait pas d'antre sur la carte, hein, pourtant il y a des antres. Hein. Alors, bon, le haut de la map a été pris par Lagdar, donc ça, c'est plutôt bien. Lagdar qui ne fait pas assez de soldats, hein. Là, il est en train d'upgrade son repère des trolls au niveau 2. Donc, à voir comment ça se passe. Alors, il y aura une date pour Reforged, alors, en 2020. Voilà, 2020, ça va être... Bah, en fait, je peux même pas vous dire 2020, je sais pas si ça sortira en 2020. Je sais qu'en là, en gros, l'équipe, fin 2019, l'équipe, elle s'est beaucoup constituée. Il y a eu beaucoup de nouveaux, on a mis en place de nouveaux systèmes pour faire en sorte que le travail avance plus vite, que, en gros que ça soit mieux organisé, parce que le fait de travailler avec beaucoup d'étrangers, avec beaucoup de gens qui viennent et qui partent et on sait pas trop ce qu'ils font, bah ça fait pas trop avancer le projet quoi. Donc à voir, mais j'imagine, hein, j'imagine l'année prochaine une petite bêta sûrement, peut-être. Mais dès que j'ai des news, hein, vous inquiétez pas, vous serez au courant, hein, parce que je travaille évidemment sur le projet. Mais je vais essayer du coup de travailler plus sur le projet. Bienvenue dans le. Il va falloir que je trouve le temps. Merci beaucoup Chèvre06 pour le follow, hein. Vraiment merci beaucoup. Donc là on voit que Lagdar est vraiment dans le mal, hein. L'œil de Sauron, hein. L'œil de Sauron qui profite aux orques du Mordor d'un avantage conséquent, hein, face à ces hommes sauvages. Enfin, ces hommes sauvages, ces maîtres des esclaves qui sont malheureusement liés à Langmar. Regarde plus souvent les pouvoirs, oui c'est vrai, et excusez-moi, c'est vrai, non mais je suis pas encore concentré, ça fait 5 jours que je ne sais même plus stream, ça fait 5 jours que j'ai pas joué au jeu, non je rigole, ça fait pas 5 jours que j'ai pas joué au jeu, ça fait 5 jours que j'ai pas joué. Donc on a un vent sinistre du côté de Lagdar, bon, est-ce qu'il va être utile? Pas du tout, parce qu'on n'a pas d'unité. Alors là on a fait des trolls des neiges, c'est pas mal, mais bon, est-ce que ça arrêtera vraiment ces orques qui sont en train de détruire ce magnifique hall des hommes du roi? Je doute, hein. On a toujours le vent sinistre, hein, qui pourrait être utilisé, voilà, le vent sinistre qui a été utilisé pour éviter que la caserne tombe. On a les lanceurs de hache qui focus, les orques noirs. Vous avez vu, hein, les orques noirs qui ne tombent pas, hein, qui sont toujours là, toujours la banane. Pendant cela, ici, nous avons les orientaux qui frappent les orques. On a fait une tour, hein, on est en train de préparer une petite tour de guet, hein, hein, ou de guerre, je ne sais pas, voilà, tour de guerre. Celui qui réclame le rôle de Modo ne pourra jamais devenir Modo. Je vais te ban. Ah, il est déjà VIP. Dark est VIP, mais on n'a jamais compris pourquoi. Mais c'est parce que Dark, en gros, il est là pour changer les titres quand il faut. Non, Dark, en vrai, c'est un vrai parce qu'il est toujours là pour me donner des bons textes. Des bons textes. Il a toujours des bonnes idées. Toujours des bonnes idées, Dark. Même s'il est plus du côté obscur, quoi. Quand il est là, mais il est souvent là, en vrai. Il est souvent là, hein, Dark. Hein. Bon, il est souvent là le soir tard. C'est vrai qu'en début de live, il est jamais là, mais en fin de live, il est souvent là.
Bon, du coup, on se réveille hein, du côté de l'Agdar. Hein. Là, c'est parti. On a deux unités de troll des neiges. Est-ce qu'on va aller embêter Mirak et aller détruire son économie hein? Je pense que oui. Hein. Je pense que c'est parti pour. Du côté de Mirak, voilà, on a fait des corsaires de bord. Hein, des unités extrêmement puissantes. Alors, aussi, le chat, j'ai un nouveau micro. J'ai un nouveau micro, regardez. Oh. Et vous m'entendez, hein, trop fort. Et il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Il est trop beau. Alors, est-ce qu'il est mieux? Est-ce qu'il est mieux? Je sais pas. Je pense qu'il est mieux. Faudrait que je le règle. Mais moi, ça me, je trouve qu'il me convient. Je trouve qu'il me convient parfaitement. En tout cas, voilà, j'ai un nouveau micro, donc ça, c'est cool. Regarde, j'ai fait le porte-étendard pour débloquer le passif des orques noirs. Alors, c'est quoi le passif des orques noirs, Mirak? Est-ce que c'est ça? C'est soif de sang? Soif de sang des orques noirs, plus 25% de dégâts. Donc ça, ça sert à ça? Ça sert à ça ou pas? Donc, ça, en gros, t'as fait ça, et ça permet de débloquer l'amélioration... Ok, intéressant. Oh là, il y a Gothmog. Gothmog est en train de se battre contre les trolls des neiges. Alors c'est marrant, c'est que il y a personne qui prend de dégâts. Bon, Gothmog, c'est vrai qu'il prend plus de dégâts parce qu'il est tout seul. Ok, il y a les piquets qui arrivent. Gothmog qui se retourne. Gothmog qui va sûrement crever. Ok, Gothmog qui se replie. Les trolls qui foncent dans les piquets. Oh, ils s'en fichent tellement, les trolls. Bon, il y en a quand même 4 qui sont morts, mais voilà. Bon, Gothmog qui passe en mode carnage. Là, Gothmog, il a pas peur. Hein. Gothmog, il a vraiment pas peur, là. Ok, donc c'est parti. De ce côté-là, comment ça se passe? Ok, on a fait le pouvoir lien de neige du côté de l'Agdar. On a les corsaires d'Umbar qui vont lancer des cocktails Molotov sur le bâtiment. On a les trolls des neiges qui sortent et qui tuent la cavalerie, qui vont renverser les barbares, enfin les corsaires. On est en train de refaire un hall des hommes du roi. On a de la cavalerie qui arrive en renfort. Pendant ce temps-là, du côté de Mirak, voilà, on est en train de se refaire. Je pense que Mirak va gagner ce premier match, hein. Je pense. Hein. Je pense, le chat, je ne sais pas qu'est-ce... Je sais pas qui a gagné en fait. Je sais pas, j'ai pas voulu demander. Personne m'a spoil. Hein. Il y a eu tous les matchs quasiment qui ont été faits, mais personne m'a dit qui avait gagné ou. Quand, quoi ou comment, je sais pas. Donc on va voir ça ensemble. On va du coup actualiser le tournoi ensemble. Voilà, clairement ensemble. Hein. Tu effectues la danse des tongs à vous. Au level 2, les orques noirs obtiennent le passif. D'accord. C'est fort quand même. C'est fort d'avoir un passif niveau 2 qui te donne en plus 25% de dégâts. Je trouve ça quand même super fort. Déjà que les orques noirs sont assez badass. Franchement, c'est beau. Grosse armée du côté de Mirak. Mais Mirak il fait tout le temps la même chose. Il fait Aradrim. Enfin, bon là il commence à faire des arches Aradrim, c'est bien. Mais il fait piquer. Piquer. Ah, bon il y a Gothmog. Mais piquer orque noir quoi. Je ne suis pas un orque. Je suis un non-binaire. Par contre, Gothmog il fait 0 dégâts. Gothmog faut taper plus fort hein. Si tu veux le tuer. Oh. Oh, il s'est fait manger. Il s'est fait manger, Bobby. Bon, du côté de l'Agdar, ça se passe pas comment? On a fait des piquets. On a fait des trolls des collines, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Cette phrase hors contexte, c'est what the fuck. Je ne suis pas un orc! Ok, donc c'est parti. Donc là, nous avons les petits wargs qui viennent de mourir. On va détruire la petite Tania Warg. On va enchaîner de ce côté là. Donc là voilà, Mirak est une bonne armée qui va partir en chasse hein. On va partir en chasse à Langbar, rien. Donc là nous avons est-ce qu'on va faire des rôdeurs noirs? En vrai des rôdeurs noirs c'est quand même assez puissant. Donc là nous avons le champ de guerre qui a été effectué sur l'armée du Mordor. On va sous la forteresse alors qu'il y a une tour. Bon, le vent sinistre qui a été parfaitement exécuté, qui a ramené toutes les troupes. Les troupes qui sont à feu. À feu ouvert, ok, la cavalerie qui fonce dans les orques, c'est pas mal du tout. Les piquets qui sont pas placés au bon endroit. Les archers Aradrim qui sont pas protégés non plus, qui vont être détruits, enfin tués. Alors les archers Aradrim qui arrivent, oh il joue bien l'Agdar. Hein. Là l'Agdar il a fait une bonne strat. Hein. Il a utilisé la cavalerie, il tourne un peu partout, il renverse un peu toutes les unités. Ah, par contre faut faire attention aux piquets. Hein. Les piquets c'est très dangereux. En même temps, côté Angmar, t'as pas beaucoup de bonnes troupes, hein, contrables avec piquets orques noirs. Bah t'as les rôdeurs noirs qui sont extrêmement puissants. T'as les Numenoriens noirs qui sont extrêmement puissants. Et sinon t'as les trolls des collines et bah trolls des neiges c'est pas mal. Bon après contre les piquets c'est pas extrêmement incroyable. Salut Warco, salut Aranart, comment ça va? Donc nous avons Gothmog. C'est pas vrai. Mais si c'est vrai. Mais si. Mais oui, mais je suis là. Il est là. Il est de retour après 5 jours. Et oui je suis là. Je t'ai vu Éternel. Je t'ai vu faire de la pub sur le live de Zoltan. C'est très très bien. Je suis fier de vous tous. Comment tu vas? Eh bah écoute, très très bien et toi Wistiti? Eh, j'adore ton pseudo Wistiti, hein, franchement.
C'est mignon les Wississiers en plus. Bon, est-ce que l'Agdar va perdre au bout d'un moment le chat? Non, parce que là, franchement, il est pas bien. Il est pas bien, l'Agdar, genre. Il y a les trolls de neige qui vont. Qui renversent. Oh, merci beaucoup, Wissiti, vraiment le gros. Eh, je t'aime encore plus, Wissiti, hein. Franchement, t'es passé là, toi. T'es au-dessus. Enfin, t'es au-dessus, hein, clairement. T'es incroyable. Bon, comment ça se passe? On a les archers de Mira qui pourraient utiliser quand même les flèches hérissées et pas les flèches barbelées. Hein. Bon, il y a qu'une personne qui va avoir la ref, mais voilà. Les tirs de flèches hérissées sont une attaque extrêmement puissante, hein, voilà. J'arrive tout à l'heure pour la game contre toi, nous. Bah écoute, c'est parfait, hein, c'est parfait. Hein. C'est nickel, hein, Eternal. Demain, séance pub de 10h à 13h de nouveau. Mais c'est un peu ça, il est ça. On a un peu notre rendez-vous. Hein. C'est quoi le level d'un... Hein? C'est quoi le level dans Rôdeur Noir? De quoi les levels? Alors là ils sont level 3. Ils sont level 3 et en gros ils ont une compétence, c'est long trait. C'est un peu comme les rôdeurs, et en gros ils peuvent lancer une volée de flèches. Et c'est super pratique. C'est super pratique parce que ça fait masse dégâts. Mais Tonou est déjà là en fait. Mais évite Eternal de spoil là. Hein. Parce que en fait j'ai pas encore cast la game d'avant. Mais bon, faut... Bref. Alors, reprenons la game. Donc, nous avons Mirac, hein, Mirac, voilà, qui se bat à sang et à dents et qui veut remporter cette victoire. Oh, Mirac, hein, qui est pour l'instant, qui a pas, enfin, il fait tout le temps la même chose, hein. Pas de catapulte, pas de troll, pas de héros. Ouais. Merci pour cette gentillesse. Mais écoute, de rien, Wissiti, hein. Toujours là, toujours là. Hein. Je suis le maître de la gentillesse, hein. Bon, du coup, oh là là, mais c'est extrêmement bien joué du côté de l'Agdar. On fait directement le Force Sinistre, accompagné d'une petite volée de flèches. On enchaîne sur une deuxième volée de flèches. Vous avez vu, hein, les orques, hein, ils commencent à prendre cher. Bon, évidemment, on les a mis en défensif. On a utilisé le champ de guerre, donc les orques deviennent très très résistants. Hein. Ils proc de beaucoup de buffs. En plus, on a le jour de l'orque, hein, du côté de Kotmok, qui va mourir face au rôdeur noir. Donc ça, c'est très très bien joué. Du côté de l'Agdar, hein, on n'est pas très bien. On a une volée de flèche qui a été tirée dans le vide. On a fait la bouche de Sauron du côté de Mirac, donc ça c'est bien. Mirac a deux héros, alors que l'Agdar n'en a aucun, il n'a plus grand chose. Hein. Il a trois bâtiments de production d'unités, mais est-ce que ça suffira? Des archers qui maltraitent les orques. Vous avez vu les orques comme ça tank, hein? C'est quand même extrêmement tanky les orques. Hein. Après, c'est des orques noirs, voilà. C'est des orques noirs. Hein. Avec ce verre, je croyais qu'il était empoisonné. Hein. Comment ça, qui était empoisonné? Les orques? Arrête de zoomer, regarde au-dessus. Ah oui, merde, j'avais pas vu. Excusez-moi, en gros, il y a Mira qui a envoyé des corsaires Doombar, voilà, à détruire l'économie de l'adversaire. Pendant ce temps-là, ici, nous avons les petits hommes qui se battent, voilà, pour faire diversion. Mais voilà, Mira, il s'en fiche, hein. Il est vraiment là pour détruire l'économie de l'adversaire. Bon, par contre, il faudrait dire aux unités d'attaquer, voilà. On va leur dire d'attaquer. La volée de flèche qui a été tirée, ça ne le tuera pas, évidemment. Voilà, ça les a presque tués, hein. Parce qu'il les a mis en offensif. En fait, s'il les avait mis en moyen, ils auraient pris midlife, je pense. Mais là, en offensif, ils sont pas très très résistants. Et du coup, le troll des neiges, il va arriver. Il va en balayer 4. Il va se retourner. Bon, après, il y a les archers qui arrivent. Est-ce qu'on va réussir à détruire le moulin? Est-ce qu'on va réussir à détruire le moulin? Eh, on a presque réussi à détruire le moulin. Et ça, c'est pas mal. Donc là, c'est parti. On envoie la nouvelle sauce, hein, du côté de notre très cher Mirac. Alors, Mirac, voilà, m'a passé aussi. Ah, bonne nouvelle, le chat. Bonne nouvelle, le chat. Mirac m'a passé le fichier pour que je traduise son patch 1.08. Donc pour l'instant il est quasiment traduit, voilà, il est en cours de traduction. Donc on aura un patch 1.08 en français. Et ça c'est beau. Ça c'est beau. Moi je trouve ça très beau. Bon, on a les magnifiques corsaires Doombar qui balancent des cocktails Molotov sur les archers. Voilà, vous avez vu les archers, hein, ils prennent pas trop cher non plus, quoi. Il leur faut au moins 5 ou 6 ou 7, hein. Ouais, c'est directement le Wyrm qui a été invoqué. On va balancer le feu sur le hall des hommes du roi, donc ça c'est très bien. Par contre, on fait que des trolls des neiges, hein. En vrai, l'Agdar est en train de se remettre bien, hein. Il a énormément d'archers, il a énormément de trolls. Bon, le Wyrm, voilà, bon, qui va un petit peu embêter l'Agdar. Bon, le Wyrm qui est un peu AFK, hein, malheureusement. Bonsoir mes braves et beaux écoutes, bonsoir Jean le Nul, comment ça va Jean le Nul, hein? Franchement, je suis content de voir. Et aussi, j'ai un truc à vous montrer, c'est. Regardez. Et Adam il m'a fait des lace locks. Voilà. Et c'est écrit vous ne passerez pas. Voilà. C'est des vous ne passerez pas que je mettrai sur mes chaussures à la rentrée. Mais c'est incroyable. C'est juste incroyable, genre.
Vous êtes jaloux, vous êtes tous jaloux de ce produit incroyable. Et c'est directement le vent sinistre qui a été lancé. On a fait un Lumakil. Et c'est la volée de flèche, les plusieurs volées de flèches qui ont été tirées. Oh yeah, yeah, ça commence à faire mal. Lumakil qui fonce dans les unités. Oh, ça renverse tout, ça renverse tout. C'est incroyable, c'est incroyable. Les archers qui prennent super cher. Le Lumakil qui est niveau 4. Oh là là, les pouvoirs, les pouvoirs. Les pouvoirs du côté, on a aucun pouvoir de libre. On a aucun pouvoir de libre. Bonsoir Bizarre Boy, Yo, KRZ, comment ça va? Comment vous allez? J'ai loupé l'action quand tu as dit oh, ok, mon assistant s'est mis en route, RIP. Comment ça ton assistant, Copix? Bon bah miracle, hein, voilà, vient de se remettre très très bien dans la game, hein, seulement avec un Mimakil. Hein. Il a fait un Mimakil et c'était win. Hein. C'était clairement win. Hein. Il était en mode, bon les gars, tranquille, le Mimakil, on va les détruire. J'attends toujours les trucs bizarres de chaussures One Piece. Hein. Les trucs bizarres de chaussures One Piece? Quoi? Mirak, arrête de t'acharner comme ça. Bon, allez, c'est parti, hein. Donc, on passe Gotbog en position agressive. On va aller détruire le bâtiment. On a le Mimakil qui a repris de la vie, hein, et qui repart dans le champ de bataille. Hein. On a le bâtiment qui a été détruit. On va tuer les dernières unités. Ah, mais et, même les trolls, hein. Même les trolls, ça ne suffit pas. Hein. Ils se font balayer, hein, balayer par le rang des armées. Et là, on n'a plus aucune défense hein, du côté de l'Agda. Est-ce qu'on va utiliser des pouvoirs du côté de Mirak? Non, ce n'est pas prévu. On a 11 de pouvoirs. On a Morgomir qui a été fait du côté de notre très cher l'Agda. Alors, pourquoi Mirak se replie? Alors là, je comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Il laisse son Mimakil seul au monde dans la base de l'Agda. Est-ce qu'il l'aurait oublié? Non, mais il est quand même gros. Il est quand même gros pour être oublié, notre très cher Mimakil. Non, mais c'est abusé, là. Mirak. Mirak, tu peux pas perdre un Mimakil comme ça. En plus, le Mimakil prend 0 dégâts, là. C'est terrible. Alors, les archers qui vont sous l'éléphant, hein. Bah oui, évidemment, hein. La base, ils viennent de se prendre une tatane. Ils viennent de se prendre une tatane. Aïe, 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 ça fait mal. Ça fait mal. Bon, bah, on va perdre le Mimakil, hein, bêtement. Bah, si, j'en ai 200 en prod, MDR. C'était juste pour occuper. Ah ouais. Ah, il est malin, Mirak. Hein. Vraiment très, très malin, ce joueur. Mirak, arrête de t'acharner comme ça. À gauche. À gauche. Ah oui, j'avais pas vu à gauche. Oh là là, une très très grande armée hein, du côté de l'Agdar qui veut aller détruire les bâtiments économiques enfin de production d'unités de Mirak. Mais bien voilà, il s'en fiche un petit peu. Il y a toute son armée qui va partir dans la base de l'Agdar. Et là voilà, un nouveau Mimakil qui arrive. La volée de flèche qui a été tirée du côté de l'Agdar. Est-ce que ça fera des dégâts? Bon, pas grand chose. Le Mimakil. Oh là là, le Mimakil a pris très très cher. Le pouvoir lien de neige qui a été effectué. Les corsaires qui arrivent sur le côté. Aïe 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 aïe. Et c'est directement l'invocation des orques de Gundabad du côté de l'Agdar qui a été invoqué. Est-ce que Mirak va débloquer un nouveau pouvoir? Pour l'instant non, il a fait une volée de flèches. On a les cocktails Molotov qui vont détruire le repère des trolls des loups. On a une volée de flèche qui a été tirée. On va l'esquiver, on a fait le vent sinistre pour ramener les unités. C'est très très bien joué du côté de l'Agdar. Excellemment très très bien joué hein. Franchement, eh, ça joue plutôt bien hein, pour une première game. Franchement, c'est beau jeu. Hein, c'est très très beau jeu. Donc là, nous avons le Mimakil qui a un HP. Vraiment, le Mimakil a un HP. Et voilà, c'est la fin. Ok, donc ça s'est arrêté très très rapidement. Hein. Donc on va enchaîner directement avec la game 2. On va enchaîner avec la game 2. Donc match 2, l'Agdar contre Mirak. Voilà, donc c'est parti. Nous sommes sur la map Hestfold. Une map très très intéressante. Alors, on va boire un petit coup. Parce qu'il est... Voilà. Angmar de mort, nous dit l'Agdar. La volée flèche, je l'avais faite sur son armée de lanceurs de HMDR. Ah, d'accord, je vois. Donc là, nous avons du coup l'Agdar qui retombe encore sur Angmar. Ah, mais c'est à cause de ça que l'Agdar, il a perdu le jeu, en fait. Il est juste tombé sur la faction qu'il n'aimait pas, en fait. Alors, attendez, on va mettre 1-0, du coup, pour Mirak. Voilà, donc c'est un BO3, hein, je répète. Donc c'est parti. On commence par deux petites fermes du côté de Mirak, du côté de l'Agdar. On commence par deux moulins. J'ai eu ma pire faction sur la pire map, Hestfold, avec le passage du centre Ultra E3. Bon, ça va. Ultra E3, c'est pas non plus Ultra E3. Est-ce que vous trouvez ça Ultra E3, le chat? Ça va, en vrai, tu peux faire passer 5 catapultes. Bon, allez, 1, 2, 3, 4. 4 catapultes. Ça va, ça va. Au pire, tu passes par ici. Ou par ici, même. Elle est superbe, surtout mieux que Gate Dizen. C'est vrai, en vrai, cette map est super intéressante. Enfin, elle est grande. Il y a pas mal d'espace. Il y a des wargs. Il y a des trolls.
En vrai, il y a un peu de tout. Il y a vraiment un peu de tout. Donc là, on a un repère de trolls et de loups qui a été fait du côté de l'Agdar. Est-ce qu'on commencerait pas par faire des loups? Oh. Oh, c'est marrant, il y a l'amélioration collier clouté qui se fait directement hein, dès le début de la game. Et on commence par faire une meute de loups sinistres qui sont forts contre les épéistes. Et du côté de Miracle, voilà, on fait des épéistes. Hein, donc, est-ce qu'on n'aurait pas pris un pouvoir de vision? Bon. On n'a pas de pouvoir de vision du côté d'Angmar, hein, à moins que le vent sinistre prenne la vision, mais je ne crois pas, hein, dans mes souvenirs, ce n'est pas comme ça que ça ne marche. C'est sur cette map que moi et l'Agdar, on a fait le meilleur combat. Les loups bolossent les piquets. Ah oui, merde, c'est vrai, non, en fait ces loups-là, ils sont pas forts contre les épéistes, ils sont forts contre les piquets, my bad le chat, c'est vrai, non mais, eh, n'hésitez pas à me rectifier hein, quand je dis des bêtises, mais c'est vrai. Les loups ne sont pas puissants. Ah, il a fait l'amélioration des colliers à pointe, qui réduit considérablement la quantité de dégâts subis lorsqu'il est équipé. C'est quand même super pratique, le chat. Est-ce que ça serait pas super pratique? Donc là, on a les soldats du Gondor, qui vont aller dans la base adverse. Cette map est ultra avantagée par les unités rapides. Ah, je suis d'accord. En tout cas, pour le moment, nous avons des petits loups qui arrivent dans la base de Mirak. Mirak, voilà, qui va envoyer ses soldats du Gondor détruire ce Umga. On va faire le cri de ralliement. Alors, est-ce qu'on va faire champ de guerre ici? Pour l'instant, les loups qui attendent. Ici, pas de champ de guerre qui a été effectué. Les soldats qui continuent à focus le moulin. Donc là, on va le détruire facilement. Pour l'instant, là, ici, nous avons les loups. Oh, les loups qui sont passés en offensive, qui ont le champ de guerre qui a été activé. Hein, vous pouvez le constater. Pendant ce temps-là, du côté de Miracle, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on se rapproche de la forteresse pour tuer les loups. Est-ce que c'est très worse? Ouais, en vrai, c'est quand même assez worse, parce que du coup, les loups, ils vont mourir, il va perdre de l'argent. Alors que Miracle, voilà, il va pas perdre ses soldats, il va pouvoir se replier et contourner la base. En vrai, c'est chaud de se défendre quand tu fais des loups au début. J'aimerais beaucoup t'affronter sur ce jeu. Bah écoute, Wistiti, quand tu veux, hein, quand tu veux, Wistiti, hein. Bon, pas ce soir, parce que on risque de pas avoir le temps, mais un de ces quatre, je te propose l'année prochaine. Je te propose l'année prochaine un petit fight contre Wistiti, hein, Wistiti 1600. Non, mais pas ce soir, on a plein de matchs à cast. On a celui-là, ensuite on a le cast Toanu Darkia, comme ça on a fini le premier tour, et ensuite on remonte. On remonte, à moins qu'on fasse un match qui est, voilà, qu'on peut faire avant, ça serait pas mal. Demain tu live? Oui, normalement je live demain. Je vais essayer de live demain, comme ça je live le dernier jour. Ça c'est pas mal du tout. Bon là nous avons les... Ouais, on fait que des loups, hein. On fait que des loups du côté de l'Agdar, hein. C'est terrible. Hein. Que des loups. Meute de loups sinistre. Ici nous avons maître des esclaves. Pendant ce temps là, nous avons ici les petits loups, que va faire Mirak? En vrai, ce que je comprends pas, c'est pourquoi l'Agdar il fait que des loups alors qu'en face il y a aucun piqué. Oh, je comprends pas. Avance rapide. C'est vrai qu'on pourrait faire l'avance rapide, le chat. Hein. Voilà, on pourrait accélérer un petit peu. Hein. Donc là, on voit que Mirak, voilà, il a essayé d'avancer. Il s'est fait un petit peu attaquer par les loups. Il essaie de poursuivre les loups. Hein, les loups qui vont courir pour. Le faire perdre du temps. On a des lanceurs de hache pendant ce temps là qui en profitent, qui essayent de mettre un maximum de dégâts. Les loups, voilà, qui passent au corps à corps, on les met en défensif. Donc est-ce que ça fait des dégâts? Je ne sais pas. Ah, on a des loups qui arrivent. Et c'est directement les chevaucheurs de loups qui arrivent et qui vont renverser les soldats du Mondor. C'est très très bien joué ça, très très bien joué. Est-ce qu'on va faire des piquets? Ok, on va faire des piquets. Pas de sieste. Il y a des orques en avant. C'est ça qu'il dit ou pas? Est-ce qu'il dit? Il y a des orques en avant. Plus vite. Plus vite ou je fais la massue? Je pousse la massue. Attendez-vous rien. Plus vite ou c'est la massue. Ah oui, d'accord, ok. En mode plus vite ou je vais vous taper quoi. Rasez-moi cet endroit. Plus vite,
Bon là c'est très bien ce qu'il a fait Lagdar, c'est qu'il renverse les unités avec sa cavalerie, il envoie les loups sur les piquets. Mais c'est très très bien ce qu'on a fait du côté de Miracle, parce qu'on a fait des rôdeurs. Les rôdeurs sont plutôt puissants face aux loups, hein, les loups vont tomber ultra vite. C'est insupportable de jouer Langmar, les esclaves arrêtent pas de parler. C'est vrai qu'ils parlent beaucoup, hein. C'est vrai qu'ils parlent vraiment beaucoup, parce qu'à chaque fois que tu les sessions, ils sont en mode du travail, travail terminé, me la massue. Un jour, il va faire un quiz sur les paroles des unités. Oh, mais trop bonne idée. Genre, je prends un panel de sons, et genre, je le passe, et vous me dites, ouais, ça, c'est un soldat du Run, toi. Ou genre, ça, c'est un soldat du Gondor. Ou c'est un soldat, je ne sais pas quoi. Oh, une soirée quiz, ça pourrait être pas mal. Une soirée quiz comme ça, on organisera ça. Franchement, très très bonne idée à toi nous. Hein. Là, je suis en train de télécharger tous les jeux de la bataille pour Eternia 2 et de l'avènement du roi sorcier. Et leur patch grâce à ton tuto sur YouTube. Mais c'est incroyable, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Attends, y'a qui sur le chat qui ont suivi mon tuto pour installer le jeu? Est-ce que les gens peuvent mettre plus un? En mode, enfin pour voir combien il y a de personnes. Merci beaucoup, Selena Duncan. Duncan. Fais gaffe. Ah, et on voit du plus 1, on voit du plus 1. Il y a quand même des gens, hein. C'est un cheval de 3. Ok, donc pour l'instant, Lagdar, voilà qui attend. Eh, hey, quand même pas mal de personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eh, hey, quand même 12 personnes. Donc c'est pas mal. Ectelion, moi j'ai les CD. Ah, mais vous pouvez avoir les CD, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, hein. Moi aussi j'ai les CD. Mais bon, j'ai préféré prendre. Enfin, en fait, je pourrais l'installer avec les CD, mais bon, j'ai mon tuto, du coup, autant que je suis mon tuto. Enfin, ça, c'est pareil, quoi. Mais j'ai les CD, j'ai même en deux fois. J'ai deux fois la bataille, je crois, j'ai deux fois la bataille pour Eternia 2, 1, et deux fois la bataille pour Eternia 2, mais j'ai jamais acheté la bataille pour Eternia 2, enfin, l'extension. Je connaissais pas l'extension avant de la craquer, quoi. En vrai, l'extension, il y a, je pense, il y a peu de monde qui savent qu'il y a une extension sur le jeu, quoi. Enfin, moi, je sais qu'à l'époque, je savais pas du tout qu'il y avait une extension sur le jeu. Je connaissais BFM1, mais je connaissais pas trop BFM2. Voilà, donc j'étais un peu perdu, mais évidemment, nous avons découvert tellement de choses. Non, mais là, en vrai, cette année, il va y avoir pas mal de trucs. Donc déjà, bah en vrai, normalement, aujourd'hui ou demain, il y a la prochaine version, enfin, il y a la 4.1 de Age of the Ring, donc il y aura des nouveaux trucs à tester. Il y a Edenmon 4.5 qui va sortir en janvier. Il va y avoir une nouvelle version du patch 1.09 qui va sortir pendant l'année. Il va y avoir BFM Reforged, il va y avoir des tournois, enfin... En vrai, il va y avoir pas mal de trucs, je pense, hein. Il va y avoir pas mal de trucs, en plus, on est plein, les gens, voilà, ils sont en mode, voilà, les RTS, c'est en train de revenir à la mode. Donc, en vrai, je pense que le chat 2020 va être pas mal, hein. Je sais pas pour vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça va être pas mal. On est maintenant plus mathématiquement proche de 100 que de 0 viewers. Et ben écoute, et c'est vrai que tout le temps, on est beaucoup plus maintenant. Et ça, c'est beau. Allez, Miracle, je crois en toi. Depuis que j'ai installé, mon ordi flotte dans les airs, c'est normal? Bah écoute, c'est normal, hein. C'est un pouvoir magique que j'ai fait. Bah c'est sympa, moi je trouve ça sympa, le fait de télécharger un jeu et que votre ordinateur vole ensuite. Elrond pourra faire le jeu des billes. Non mais ça, Matrix, c'est quand il est très tard. Quand il est 1h, 2h du matin et que je suis en train de mourir intellectuellement. Et que voilà, il faut faire le jeu des billes, mais pour l'instant nous sommes en train de cast. Ah! Oh! Le démon! Le Warg est là. Tu vas aller te voir? Comme ça tu vas aller te voir. Est-ce que tu vas aller te voir? T'as dit je suis bourré. De quoi? Alors, attendez, je vous laisse avec cette guerre, hein. Je vous laisse la commenter vous-même. Tu voudrais pas commenter la game MDR? Ah oui, c'est vrai, il y a une game, j'avais pas vu. Non mais j'ai trop de trucs à dire aussi, je suis content de vous voir moi. En plus il y a plein de monde, c'est génial. Ok, donc nous avons Boromir qui est en position défensive, qui va aller se battre, hein. Donc ça c'est bien Miracle ce que t'as fait, c'est parce que Boromir est vraiment très très puissant. Par contre il est en train de se faire fumer par les archers rôdeurs noirs là. Pour l'instant ici nous avons les rôdeurs qui arrivent, les rôdeurs du côté de Miracle qui vont contre-attaquer. Pour l'instant Lagdar qui doit se replier, qui doit reformer des unités, qui doit faire une belle armée. Putain, on a fait deux bâtiments de production d'unités. Donc ça c'est bien, on va spammer. Oh non, le maître d'esclaves malheureusement qui était tout seul. Elrir est en terre du milieu depuis 45 minutes et 15 secondes. Et oui, c'est précis, Schmout, hein, je sais. Super action du côté de Miracle qui a décimé tous les loups avec les rôdeurs. Voilà, j'ai commenté. Bah écoute, oui, c'est vrai que Miracle a très très bien joué. Très très bien joué de ce côté-là.
Là, nous avons Boromir, Boromir qui soutient cette belle armée. Et voilà, c'est parti. Nous avons directement les trolls des neiges qui renversent dans un premier temps les rôdeurs. Nous avons les rôdeurs noirs qui tirent. On a une volée de vaches qui a été invoquée. Les orques de Gundabad qui ont été invoquées. On a une ferme qui est en construction. On a les trolls qui partent vers le bas. Les archers qui sont tous morts. Hein. Une belle volée de flèches qui a été tirée, qui n'a pas été esquivée du côté de Lagdar. Pendant ce temps-là, nous avons les orques de Gundabad, voilà, qui mettent un maximum de dégâts, mais je ne pense pas que ça suffira. Est-ce que Boromir va prendre le level? Oui, on est passé niveau 2, on va pouvoir utiliser le corps du Mondor, qui va permettre évidemment de gagner énormément de temps sur notre adversaire. Les trolls des neiges qui ne se font pas réellement attaquer et qui sont très très résistants. Vous avez vu les dégâts qu'ils prennent? Ils prennent 0 dégâts, hein, c'est abusé. Hein. C'est vraiment pas avec des soldats du Mondor que tu les tues. Hein. Je pense que c'est vraiment avec des archers. Hein. Tu as une faction préférée? Perso, j'aime beaucoup les Isengard. Bah écoute, j'aime beaucoup les gobelins, moi, personnellement. Tout le monde est venu voir le grand miracle. Hein. Bah évidemment, évidemment, tout le monde est là pour voir le joueur miracle en jeu. Mais là, voilà, c'est Lagdar. Hein. Lagdar qui devrait normalement remporter ce match, vu qu'il y a une troisième game après. Mais bon, ça se trouve, ils m'ont menti, il n'y a que deux games, ils ont fait un baiting. Mais bon, à voir. En tout cas, du côté de Miracle, on a une super économie. Hein. On a fait le marché, on a fait l'amélioration, récolte abondante. Donc en vrai, du côté de Miracle, on est très très bien. Et c'est directement le vent sinistre et la volée de flèche qui a été tirée. Et qui a fait pas mal de dégâts. Donc on l'a pas vu, mais voilà. Dites-vous qu'il y a eu un pouvoir de rapprochement et ensuite une volée de flèche qui a été tirée et qui a fait pas mal de dégâts. C'est de la cavalerie, les trolls des neiges, alors que c'est des piquets qui font masse de dégâts. Ok, donc là nous avons les trolls des neiges qui renversent encore une fois les rôdeurs. Les rôdeurs qui ne sont pas assez protégés. Tain, on fonce carrément dans les piquets, hein. Il n'y a plus de respect, hein. Il n'y a plus de respect, pardon. Attendez, je vais mettre au chat d'or. Mirak a été vaincu. Ok, donc du coup, bah, Lagdar a remporté le deuxième match. Donc c'est parti pour le troisième match. Hein, on enchaîne, hein, on enchaîne. On n'a pas le temps. Donc qui va gagner entre les qui va gagner entre Lagdar et Mirak? On va le savoir maintenant. Donc, c'est parti. On va le savoir tout de suite. Donc pour l'instant, un partout. Hein. C'est assez serré. En vrai, c'est assez serré. Voilà, Mirak a gagné le premier match. Lagdar a gagné le second match. Est-ce qu'il va retomber encore une fois sur Angmar? Ah, Lagdar qui tombe cette fois-ci sur les hommes, et nous sommes sur la map Rohan, voilà, qui est une map assez petite, que Mirak il apprécie beaucoup. Par contre, Mirak, voilà, est tombé sur les elfes, une faction qu'il n'apprécie guère, je trouve. Je suis deck, mes pattements sont pas traités. Attends, je suis deck, ah, mes paiements sont pas traités. Comment ça, mes paiements sont pas traités? C'est-à-dire quoi, ça? Cette map de merde, plus ma pire faction, ça m'a saoulé. Ah là là, Mirak qui nous dit d'avance que voilà, le début de partie est très compliqué pour lui parce que c'est une map voilà, qu'il n'apprécie guère et en plus c'est une faction qu'il apprécie guère aussi. Bonsoir et merci de faire vivre ce jeu incroyable. Bah écoute, le meilleur du Gondor, hein, je pense que ton pseudo témoigne du fait que tu adores ce jeu ou que tu adores l'univers du Seigneur des Anneaux. Et évidemment, oui, hein, c'est un jeu incroyable. Hein. Donc nous avons Mirak qui a commencé par faire une magnifique caserne des elfes. On va commencer par faire une sentinelle de Midlong, hein, sûrement pour aller creep ces magnifiques wargs qui se baladent tranquillement dans le Rohan. Pensons là du côté de Lagdar. Oh, on va commencer par faire de la cavalerie. Donc c'est une technique pas mal. Hein. Donc en gros là, je vous explique. Il va faire de la cavalerie, donc il va faire des chevaliers du Gondor. Et ensuite, il va revendre normalement son écurie pour reconstruire directement un bâtiment du type caserne ou archerie. Ce qui est pas mal pour un début de partie. Hein, donc. Mais par contre, il faut garder sa cavalerie. Il faut garder sa cavalerie, surtout face aux elfes, c'est pas mal. Si l'elfe commence par faire des archers et que t'as de la cavalerie, bah les archers, voilà, ils vont mourir. Hein. Je parlais de la game d'avant avec les hommes sur Westfold. Ah d'accord, ok, my bad, Mirak, my bad. Rohan 2, c'est une de mes maps préférées. Ah, bah oui, c'est bien ce qu'il me pensait. Hein. Et dans mes souvenirs, t'aimais bien cette map. Ok, ok, ok. Le Marcel que je suis. Rohan 22, c'est une de mes maps préférées. Putain, Rohan 22, putain, je la connaissais pas cette map. T'es pire que les elfes comme faction. Ok, ok, ok. Non, mais c'est pas mal du tout. Hein. Est-ce qu'il y aurait pas des canards sur cette map? Non, parce que la diversité dans le jeu, c'est ça qui est incroyable, toi. Vous voyez des petits flamants roses? Bon, il est pas rose, il est blanc. Mais c'est un magnifique flamant rose, voilà, qui se balade.
Il n'y a pas que la guerre dans le jeu, il y a aussi la nature. La nature, Tolkien adorait la nature, il adorait les arbres, hein. Il voulait symboliser les arbres à travers les Ents. Évidemment, les trolls, hein, Bobby, on l'aime beaucoup, hein. Il se balade toujours dans les terres hostiles et il aime tourner autour de son antre, hein. Il veut le protéger coûte que coûte. C'est un héron, my bad. Écoutez, là nous avons un canard. Hein. Si j'avais fait une vidéo un jour hein, sur ma chaîne où je parlais beaucoup de canards, enfin en gros je faisais spawn des milliers de canards, c'était assez rigolo, hein. Bon, ça servait à rien, hein. Clairement ça servait à rien, c'était vraiment une vidéo de troll ultime. Donc voilà, bref, reprenons un peu la game. Donc là nous avons Mira qui a pris l'argent. Ah, il a pas pris l'argent. Alors Mira il est quand même super drôle. Ah ok, il a pris, ah, ok, il a demandé à ses archers d'aller détruire ça, ok. Oh, attendez, Lagdar, il a fait de la cavalerie ou pas tout à l'heure? J'ai pas compris là. Ok, donc il a pas fait de cavalerie, à moins qu'il ait perdu sa cavalerie, je ne sais pas. Paiement non traité, un problème est survenu et votre paiement n'a pas pu être traité. Veuillez réessayer ultérieurement. Des idées pour m'aider? Bah écoute, Oxibou, je ne sais pas, hein, tu peux demander à notre cher Pistouflex, hein, c'est un professionnel du paiement. Du paiement Twitch, hein, donc si t'as des questions, je pense qu'il pourra t'aider, hein, mais. Moi je ne suis pas un expert, hein. Donc en tout cas là nous avons Mirak qui est en train de détruire l'économie de Lagdar qui a sa cavalerie qui a été envoyée dans la base de Mirak pour aller détruire les Malorn. Pendant ce temps là il y a les archers de Mirak qui se baladent, on a des archers qui sont ici. Recommence, pourquoi recommence? Si j'ai bien compris, pour jouer en ligne. Attends, de quoi? Si tu avais commenté tu sauras pourquoi la cavalerie, qu'il y a plus de cavalerie. Bon ouais, la cavalerie a dû foncer dans les piquets malheureusement, ou se prendre un troll, je ne sais pas, mais en tout cas il a dû se passer quelque chose de mal. Donc là nous avons les soldats de Gondor qui sont en train de défoncer les piquets malgré le fait qu'ils soient avec le bonus crit ralliement. Pendant ce temps là nous avons la cavalerie de notre très cher Lagdar. Mec, t'as pris 10 ans pour faire ton truc aux aides de la nature de mort. Alors écoute, la nature c'est très sympa, c'est juste que voilà, on peut pas tout voir dans une game. On peut pas tout voir, si tu veux on reverra à la fin. On reverra à la fin vite fait en avance rapide. Donc là nous avons la cavalerie de Mirak. Ok, la cavalerie de Mirak qui s'abat sur ce nouveau Malorn. Pendant ce temps là au nord on a tué Bobby, on a détruit son antre, il faut juste reprendre l'argent de l'antre. Alors la cavalerie, que fait la cavalerie? Ok, la cavalerie qui ne fuit pas, la cavalerie qui va peut-être fuir. Est-ce que Lagdar va perdre sa cavalerie? Les archers qui mettent de la pression. Remontre les canards, on les a pas bien vus, héros. Ah oui, ok, non mais c'est vrai. Non mais je comprends plus. Attends, mais on l'a perdu, ah, mais il est là, c'est bon. On a retrouvé le canard. Ok, donc pour ce temps-là, Mirak, il a repris les petits sous-sous. Voilà, il repart en bas. Oui, il faut Game Ranger, Wistiti. Donc là, nous avons des archers de la Lorien, voilà, qui vont s'apprêter à aller tirer sur les soldats du Gondor. Les soldats du Gondor qui vont être envoyés sur ce magnifique Malorn, le Malorn qui va être attaqué. On a les archers au nord, hein, les archers qui arrivent en soutien. Je pense que les soldats vont pas faire long feu. Alors, je sais pas pourquoi, on a les archers qui sont allés au corps à corps des piquets. Mauvaise idée, hein, du côté de Lagdar. Pour l'instant, Mirak est très très bien. Il a 3 unités d'archers, 2 unités de piquets. Ah, oh, 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 oh. Vous avez vu cette cavalerie qui arrive? La cavalerie qui arrive au nord. Oh, yo, 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 yo. Oh, yo, yo, yo. Les archers qui ont pris très très cher. Il faut pas aller dans les piquets. Bon, on a perdu un cavalier, on a perdu une unité d'elfe, donc ça va. On a une unité du Gondor qui arrive en renfort. Il faut l'envoyer sur les piquets. La cavalerie doit faire le tour, hein, doit temporiser. Ok, donc là, par contre, le problème, c'est que la cavalerie, elle ne fait rien. Hein. La cavalerie n'est pas là pour soutenir les soldats du Gondor. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Bonsoir, on est sur BFM2 ou Angmar? Là, nous sommes sur l'extension, donc l'avènement du roi sorcier. Donc, on est sur l'Angmar. Donc. Mais, nous ne sommes pas sur la map Angmar, hein, et ni sur des factions Angmar. Donc, on a fait Aldir de l'Autorien, donc le beau gosse. Le beau gosse de la street, hein, qui arrive. On tue les derniers archers de Lagdar. Je pense que Lagdar va perdre, hein. Non, mais attends, ça serait vraiment Mirak qui gagne contre Lagdar? Ça serait vraiment incroyable. Ça serait vraiment incroyable, hein. Lagdar passerait... Enfin, Mirak passerait au prochain tour? Ça serait quand même honteux. Ça serait quand même honteux de la part de Lagdar de perdre face à Mirak. Là, nous avons Aldir. Aldir qui fonce avec ses archers. Bon, les archers, voilà, ça fait pas beaucoup de dégâts sur les bâtiments, ce qui est plutôt logique. Ce qui est plutôt logique. C'est pour ça qu'on envoie les piquets au corps à corps. Alors que va faire Lagdar? On a fait de la cavalerie, on a une unité de rôdeur,
On peut faire quelque chose. Si on tue les piquets et qu'on a la cavalerie, en vrai, ça peut passer. Là, nous avons directement le cri de ralliement qui a été exécuté sur les rôdeurs, donc ça, c'est très bien. On a la cavalerie qui arrive par derrière, la cavalerie. Aïe, 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 les piquets qui arrivent au bon moment. Hein. La cavalerie qui a renversé aucun archer, je crois. Elle a été stoppée par les piquets. Malheureusement, oh là là, ah, ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon du tout hein, pour notre pauvre Lagdar hein, qui ne peut rien faire. Malheureusement, qui ne peut rien faire. Les elfes, c'est très très puissant. Hein. Une fois que les elfes possèdent une unité de piqué, enfin, deux unités de piqué, trois unités d'archer, un héros, pour l'approcher, c'est assez difficile parce que la cavalerie est. Enfin, si t'envoies de la cavalerie, il y a les piquets. Si t'envoies des épéistes, t'as les archers. Pour tuer ça, il te faut des pouvoirs, il te faut pas mal d'unités, il faut temporiser, il faut essayer de tuer les piquets pour que la cavalerie puisse rentrer dans le tas. Mais là, ça va être chaud. Hein. Bon, là, en gros, Mirac, il a juste à faire une chambre à Ent et ça passera crème. Ça passera crème. Si tu veux savoir pourquoi j'ai autant d'argent, c'est parce que j'ai été creep direct des trolls aussi que tu aurais si tu as commenté correctement. Ah, ça y est, Mirac va me dire que je ne commente pas très bien. Ok, donc là, il y a Mirac qui envoie ses unités au corps à corps. Pour se rapprocher du bâtiment, on a les archers qui sont vraiment au corps à corps hein, de la cavalerie. Hein, la cavalerie qui s'est fait décimer. Ici, on a les soldats du Gondor qui sont en train de massacrer des petits archers. On a les piquets qui focus l'archerie. On a les rôdeurs qui sont derrière. Ah, les rôdeurs qui mettent pas mal de pression hein, sur ces archers. Les archers qui sont sous la forteresse. Hein. À dire qu'il prend les dégâts de la forteresse hein, qui est en train de tanker tout. On va commencer à faire des tours. T'as vu les oiseaux qui volent au-dessus de la map? Franchement, ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Bon bah Mirac hein, qui est en train de faire une chambre à Ent. Ah bon bah. Ah bah c'est fini. Attendez, je vais juste revoir comment la cavalerie de Mirac est morte. Je veux juste voir comment elle est morte. Je veux juste savoir comment elle est morte le chat. Et ensuite, voilà, on aura fini du coup. Mirac remporte ce match. Hein. Fin c'est Lagdar. Je veux juste savoir comment la cavalerie est morte hein, du côté de Lagdar. Donc voilà, on a fait de la cavalerie normalement. Merde. Oh merde. Oh bah j'ai déjà passé en fait. Ah bah dommage, hein, ça a été très très rapide, hein, il fallait ouvrir l'œil, hein, il fallait vraiment ouvrir l'œil, hein, ça a été très 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 rapide. Alors on va le repasser, hein, on va le repasser encore une fois. Ouais, je pensais pas que c'était aussi rapide, je pensais pas que c'était aussi rapide le chat. Franchement, et ça allait très très vite. Hein. Oh, il y a Sindari. Alors attendez, je refais la cavalerie, on va lier Molo. Voilà, là il fait la cavalerie. Donc voilà, qu'est-ce qu'il a fait avec sa cavalerie, Lagdar, au début? Qu'est-ce qu'il a fait? Ok, il est allé dans la base de Mirac. Il a renversé dans un premier temps les archers de Mirac. Donc ça, c'était très bien joué. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a foncé dans les piquets de... Non. Oh non. Oh non. Oh non, c'est tellement triste. Oh là 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 là, mais terrible move du côté de Lagdar qui a signé sa perte. Bah écoutez, bravo aux joueurs, donc nous avons du coup notre très cher Mirac qui passe au tour suivant. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, au revoir YouTube.